Bonsoir, bonsoir. Vous étiez nombreux à attendre la sortie de Miss Haïti 2017. Aujourd'hui, vous êtes servis puisque dans quelques instants, vous allez découvrir les 15 finalistes qui ont été retenus suite au casting effectué en mai dernier. Mais juste avant que ces filles se présentent à vous, je vais vous inviter à suivre les différentes étapes qu'elles ont parcourues pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Les membres du comité de Miss Haïti 2017, les photographes, les maquilleurs, les caméramans, ils se sont donnés à fond pour la préparation de ces jeunes filles. Et maintenant, chacune d'entre elles va se présenter à vous. Bonsoir, non mwen se Whitney Alexandre, mwen gen 26 l'anè. Mwen gen yon maîtrise nan recherche médicale et puis mwen se yon étudiant en médecine nan l'Université Pittsburgh aux États-Unis. Mwen fè recherche scientifique nan pays tankou Afrique du Sud avec l'Inde. Nan 4 études mwen yo, mwen ta travay sou yon projet pou trouve yon nouvo vaccin kont malaria. Pou mwen, Miss Haïti se yon konkou ki a permèt mwen influencer jen yo pour encourager ou poursuivre éducation, entrepreneuriat et identifier capacité. Ça qui a permis de créer un moyen pour vivre plus bon. Dans ce sens, nous avons développé un projet pour faire un encadrement sur la science avec la technologie. Pour moi, ça a pris une fierté pour me représenter Haïti et faire valoir la culture et la tradition côté mon passé.
Bonsoir, je suis Joanne Delpot, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en 4e année en sociologie à la Faculté des sciences humaines. J'ai toujours été passionnée par l'art et la culture, ce qui a valu mes nombreuses participations au défilé carnavalesque de ma ville natale Jacmel et autres activités récréatives de ma ville, comme les concerts de musique classique, les défilés de beauté, entre autres. Après le tremblement de terre de janvier 2010, j'ai fait du bénévolat avec la coordination régionale des organisations du Sud-Est et mon travail consistait à aller dans le milieu paysan, enquêter sur les dégâts qu'avait causé le tremblement de terre et identifier les autres problèmes auxquels il faisait face. J'ai prêté aussi mes services à la production de courts-métrages que réalisaient les étudiants en cinématographie à Jacmel. Après avoir été couronnée Miss en 2009 à Jacmel, j'ai été passionnée par les avantages que cela offrait, surtout, mais surtout encore par le fait que je représentais un modèle pour les jeunes femmes. Je veux que ma participation à Miss Haïti soit un booster pour les jeunes Haïtiens, qu'ils œuvrent à améliorer la situation du pays plutôt qu'à lui tourner le dos. Je serai fière et toute contente de représenter Haïti à l'échelle mondiale et de contribuer à lui donner une image positive. Mon nom c'est Wendy Ludina Le Germe. Moi j'ai 25 ans, moi fait Tigouave, mais moi levé au CAI. Moi fait études moi en psychologie, moi même fait recherche sur feuilles naturelles qui permettent moi composer remèdes qui soulager en pile moi déjà. Moi participer dans concours Miss Haïti 2017 là pour capable aider jeunesse là. D'après moi, yon reine c'est pas seulement une couronne qui définit moi, mais son serviteur de peuple. Si je suis venu à Rennes, je voulais utiliser la couronne en tant que flambeau pour faire route pour la jeunesse. Nous vivons dans un pays côté que nous ne croyons pas en jeunes. C'est pour ça que je suis venu à la tête aujourd'hui. Je voulais nous faire route là avec moi. Une route qui nous mène dans un avenir qui brille plus que le soleil. Je voulais faire action. Pas pour moi, pas pour la famille, ni pour les amis, mais pour le pays. Pour les jeunes qui sont sans espoir. Moi là pour me servir et moi parler à tout cœur pour me servir. Merci. J'ai 23 ans et je suis étudiante en relations internationales. Se vanter d'une femme que sa beauté, ce n'est pas lui dire qu'elle est belle. Cependant, quant à la beauté des traits suggérant l'intelligence, ne se trouve-t-on pas doublement séduit? Selon moi, une Miss n'est pas seulement une question de belle apparence, de jolie robe et de somptueuse couronne. Une Miss est une ambassadrice de l'intelligence et du savoir-être et une représentante des traditions et valeurs de son pays. Le titre Miss Haïti m'aidera à avoir de la visibilité, premièrement, mettre sur pied une fondation destinée à venir en aide aux orphelins et aux enfants en difficulté. Deuxièmement, sensibiliser mes compatriotes au respect de l'environnement. Car selon moi, nous devons protéger la nature pour nous protéger nous-mêmes. Sans oublier, d'abord, c'est l'homme qui meurt, après c'est l'homme. Avec modestie, je crois fermement avoir la capacité de représenter toutes les Haïtiennes et ma patrie à l'échelle internationale d'être un modèle pour les jeunes. Et je m'acharnerai à porter haut et loin les valeurs et les traditions de notre beau pays. Merci.
Bonsoir tout le monde. Non pas monsieur Ruben Christelle, moi j'ai 26 l'année. Moi c'est étudiante en relations internationales dans 4e année. Moi sorti dans ville qui plus belle pays d'Haïti qui c'est Gonaïves. Moi c'est une femme jam qui croit dans travail avec détermination, s'éclairer ici tout le monde. Moi j'aime mes pays, moi j'aime la nature. Moi participer dans concours Haïti année ça pour moi utiliser popularité. Je mette maintenant l'étape menée contre la dégradation environnementale qui cause un pile petit à la richesse pays à pays. Je m'appelle Cassandra Chéri, j'ai 21 ans. J'ai décidé de participer à ce concours parce que pour moi, devenir Miss Haïti, c'est dépasser le cadre de la beauté physique et accéder au statut d'ambassadrice culturelle de mon pays. J'aime encadrer les jeunes de mon quartier dans leurs études et je m'adhère fermement à la lutte contre le cancer qui prédomine dans le monde d'aujourd'hui. Être Miss, ça demande de l'intelligence, du respect, de l'élégance. Tant qu'extérieur qu'intérieur. Porter durant une année l'écharpe Haïti n'est pas une mince affaire. Cependant, je veux être celle qui aura la chance d'être la voix des jeunes, des femmes, des adultes, de tout Haïtien et Haïtienne, tant qu'à l'échelle nationale qu'internationale. Merci. Bonsoir, moi c'est Christelle Dufour, moi j'ai 24 ans, moi j'ai licence en psychologie. Actuellement, ma fait maîtrise en communication. Bénévolat que ma fait avec Simone qui est autiste, inspiré pour me spécialiser dans l'autophonie. Moi j'ai décidé de participer à Miss Haïti pour se m'appeler une ambassadrice pour pays. Pour montrer le monde entier que nous-mêmes jeunes, nous avons une pile ambition et que pays nous avons une pile richesse. Jeunes filles et jeunes garçons pays, nous avons un message pour nous. Il faut nous avoir un pile confiance dans nous et faut nous connaître que c'est notre travail avec un pile détermination qui nous arrive à réaliser le pays. Merci. Alexandra Eloisi, âgée de 24 ans, licenciée en sciences politiques et en poursuite d'une maîtrise en management pour les organisations non gouvernementales. La lecture, la danse, la production canvas sont mes passe-temps favoris. Je me présente à Miss Haïti parce que j'aimerais utiliser cette plateforme pour encourager toutes les jeunes femmes haïtiennes à lutter pour leurs objectifs et de continuer à contribuer au développement de notre pays. Je veux valoriser l'image de la femme forte, courageuse, déterminée à lutter pour le sommet. Alors je conseille à toutes celles qui me regardent de croire en elles et en leurs capacités. Merci. Bonjour Haïti, je m'appelle Marie-Gerline Moreau, j'ai 22 ans, je suis originaire de Caille, je suis en deuxième année sciences comptables à l'université de Port-au-Prince. Je suis une fille déterminée et surtout ambitieuse dans le positif. Je participe à ce concours pour pouvoir mettre mes talents au service de mon pays. Je veux, par ce concours, être un modèle pour les plus jeunes, rehausser les valeurs haïtiennes, rehausser notre culture et prouver à l'échelle internationale qu'en Haïti, les femmes sont intelligentes et capables de réaliser de belles choses. Merci.
Bonsoir, je suis Madjola Pierre, j'ai 24 ans, je suis capoise. Je suis étudiante en 4e année de licence en communication sociale à la Faculté des sciences humaines. Je suis l'actuelle coordonnatrice générale de l'Association haïtienne des étudiants en communication sociale, l'AEX, et parallèlement, je soutiens d'autres organisations et associations dans leurs entreprises, dans leurs initiatives à caractère social. Je suis optimiste, confiante, déterminée et prendre part à Miss Haïti, c'est pour montrer que je peux défier mes limites et mes peurs afin d'exploiter mon plein potentiel. Je désire ardemment être couronnée Miss Haïti dans la perspective de constituer une source d'inspiration pour la jeunesse et faire valoir les caractéristiques de ce peuple haïtien qui est un peuple fort, résilient et courageux. Merci. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Julie Michel, j'ai 23 ans, j'ai étudié assistance administrative dans l'USB. J'ai aimé tout ce qui est local, comme théâtre, artisanat, rara. Une des plus grandes rêves, c'est pour faire formation sur leadership et estime de soi, pour montrer que j'aime mieux confiance dans tes lieux et apprendre comment vivre. Et Anéa, j'ai participé dans le concours pour montrer que nous-mêmes, Francs et Ciel, nous parlons de vie, parce que nous sommes belles. Et si nous voulons nous faire de l'autre. Merci. Bonsoir tout le monde. Mon femme c'est Sophonie Basquet, moi j'ai 20 ans. Je poursuis licence moi et maîtrise moi dans le système de gestion informatisé dans l'Université Oklahoma aux États-Unis. Moi j'aime voyager, moi j'aime travailler avec jeunes et puis participer à l'activité communautaire. Moi crois dans la potentialité pour mon ambassadrice pour le pays parce que j'ai une volonté et détermination, capacité toute jeune femme doit gagner. Moi décide de participer à Miss Haïti à Nessa, c'est pour j'ai plus d'expérience pour capable travailler avec plus d'efficacité dans la reconstruction Haïti. Moi voulais contribuer dans une image positive des pays. Si nous tous aider une autre, nous allons jouer Haïti que nous cherchons. Merci. Bonjour, moi c'est Gredine Rousseau. Moi je suis commune dans le département de Tibonite. Ma bêtise de droit à sciences, administration économique et sociale. Moi j'aime là, moi j'aime danse et mode. Moi je veux montrer capacité, talent, culture et richesse nous gagner la caille pour moi. Gagner concours Miss Haïti, c'est une chance pour me présenter toute forme.